Direct du musée de l'absurde. Voici les Godette Brothers. Allô, Tommy. À coronavirus. Hey, salut tout le monde. Bonjour. Écoute, capoté, là. Ben, on est en train de payer. C'est plate quand il y a une semaine qu'il n'y en a pas, je trouve. Tu sais, il n'y en a pas eu la semaine passée. On était occupés toutes les deux. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est poche. J'étais allé voir mon médecin de famille pour la dernière fois parce qu'il m'a dit qu'il prenait sa retraite. Ah. Des adieux touchants. Ah oui, hein? Bon. Ben écoute, moi je pense que faire des adieux, c'est important. C'est des affaires que c'est important qu'ils se fassent. J'y ai dit merci. J'y ai dit, ben là, monsieur, j'ai 45 ans, il commence à avoir besoin d'un test pour la prostate. Puis il a dit, t'as-tu dans ta famille, ton père, y a-tu eu des problèmes de ça? J'ai fait non. Il a fait, ah, ben, je suis correct pas avant 50 ans. OK. Ah, c'est le nouveau. Ben, c'est ça, je dis. 50, c'est le nouveau 40. Okay, ben, ah! Et voilà. Puis de Simon Boisvert, il a fait un film, c'est 40, c'est le nouveau 20. Fait que, bon, j'aime ça. Fait que 50, c'est le nouveau 20, tranquillement. Ben, ça veut dire que 50, c'est le nouveau 30. C'est ça. On fait une grosse règle de 3 là, avec ça. Là. Tout est pareil. C'est Noël. Il y a quelqu'un qui a décoré son Garden Tower. Ah, oh, c'est donc bien. La grosse régine. Ouais. Le monde, c'est du pot avec ça, mais les autres font de la luzerne. Là. Fait que, hey, imagine, tu peux nourrir une famille de 12 avec ça, mon gars. C'est sûr et certain. Là. C'est vert. Tabarnak. Tommy, on a un gros show parce qu'on a pas mal d'extraits hein, cette semaine parce que les affaires se passent. Hein? Écoute, mais là, es-tu capable de me faire un résumé? Moi, j'ai perdu le fil parce que je pense qu'eux autres aussi. On va se le dire. Tu peux-tu me faire un genre de hyper résumé de ce qui se passe à Castleman? Là? J'ai vu qu'il était rendu sur la Forens, là, cette histoire-là. Ouais, ben. Ils sont en train de déménager dans la ferme d'un monsieur, puis ils sont en train de réparer la ferme. Et ça ressemble de plus en plus à Waco au Texas. Ben, moi, je suis allé voir Ben, là, je veux pas faire freaker personne, OK? On parle ici de l'esthétisme de la chose et de ce dont ça a l'air. Moi, je m'excuse, là, mais je trouve ça très Jonestown-esque. Ah oui, oui, oui. Comme tu sais, Waco, c'était plus organisé que ça, là. Tu sais, il y avait de la finition puis de la soffite, là. Jonestown, c'était sur le 2x4, là. Tu sais, c'était vraiment, quand c'était pas de la forêt, c'était avec des tops de tôle. Fait que, en tout cas, je veux pas faire freaker personne. Voilà. Mais là, je m'en ai. Au moins, il y a des enfants. Au moins, il y a des enfants. Ouais, c'est important, ça. Protégeons nos enfants. Tiens, parce que on est au lendemain de Thanksgiving, Thanksgiving aux USA. Thanksgiving! Ouais. En fait, c'est le Black Friday Edition de la Godette Brother. Alors, prenez un break de magasinage, là, puis passez l'heure avec nous autres. Puis là, ben, pour être dans l'esprit, n'est-ce pas, de Thanksgiving, puis vous allez comprendre que je le dis avec cet accent-là pour une raison très précise, parce que, écoute, c'est l'appel au pardon. L'appel au pardon, n'est-ce pas? Et, tu dépasses un petit peu, on va aller refaire le coloriage, mais ce chat hurlu qui, pour une fois, ne quémande pas un frigo, mais demande le pardon. C'est très sympathique, n'est-ce pas? Ben, c'est pas clair, en fait. Peut-être que c'est à sa gang qui est en train de dire qu'il va falloir pardonner à Legault. Peut-être que c'est à nous autres, les non-éveillés, qui est en train de dire qu'il va falloir pardonner. Tu sais, c'est très pas clair ce qu'il est en train de demander comme pardon. Mais effectivement, c'est
peut-être qu'on est en train de commencer à réaliser, peut-être qu'on va arriver en 2022 à un moment donné du côté de Pascal Durlu. On lui souhaite. Sa dernière était d'ailleurs particulière, là. Il a-tu refait? On dirait qu'il s'est calmé ses tounes aussi un peu quand même. Ben, il en a fait une cette semaine. Hein, c'est, j'ai pas vu ça. Ouais, c'est Attali et les mondialistes et la France qui est en train d'être pourrie ton dedans. Tu sais, le titre est comme. C'est interminable comme titre de tounes. Ça ressemble vraiment comme toutes ces autres tounes. Vous savez, la France qui est grande et jadis autrefois, le retour d'aujourd'hui, Attali a prévu que blablabla. Des slams guitaristiques, hein, on pourrait dire ça. Ouais, des slams acoustiques. Ouais, le Caïn du complotisme, c'est toujours la même, Caïn plotiste. J'aime donc bien ça. Tiens, tu viens, on vient de voir Anne Casabonne qui nous dit bonjour. Donc, le grand humecteur. Ben oui. Puis là, ben, on va partir sur mon Tommy, là. Qu'est-ce que. Ah ouais. Tiens, voilà. On commence, c'est des nouvelles du camp Castleman de la famille Freedom. Ici, Ryan Freedom, qui est en train de nous informer qu'il va peut-être apporter deux spas à ce nouveau convoi. Et moi, c'est. Ça, c'est une crise de nouvelles, ça. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Je pourrais amener deux spas, right meow. Mais ouais, right pas, meow. Ben, ouais. Et bien entendu, il signe Freedom. Hein, et la discussion en dessous, le gars, j'avais la discussion, mais le gars, il pose la question, mais c'était très rhétorique, là, dans le sens qu'il veut amener les deux spas. Mais là, il y a du monde qui dit, ouais, peut-être tu devrais pas, on va faire rire de nous autres, ces affaires-là. Puis là, il répond, les haters vont juste hater, mais ouais. Deux spas, moi, je. Après ce qu'on a vu du premier, là, que, en tout cas, je serais tellement content. Ça va peut-être faire changer une pièce anthologique du cinéma doublé québécois. Et maintenant, on devra dire « Trade me right fucking meow ». Ah, ben, pourquoi pas? C'est assez magique. Ouais, assez magique. Souhaitons qu'il le fasse. Oui, tout à fait. Et on s'en va, mon cher, dans la période du temps des fêtes, des réjouissances. Ouais. Il y a quelqu'un ici qui est en train de se préparer quelque chose de titanesque. Je t'invite à mettre ta patience à on et à écouter le prochain clip. C'est Libre Choix Carl Giroux qui nous explique son plan de match pour instrumentaliser des familles pauvres à Noël. Tu vois, c'est sublime. Super apprécié. Fait que voilà, c'était ça. Merci d'avoir été là. Non, je vous reviens prochainement. Hey gang, je vous reviens prochainement. Je sais que Joanne... La gang. Joanne, t'écoutes. Joanne Baudin qui est là. Je suis avec elle. Je vais vous en parler sur un prochain live parce que là, je n'avais pas les détails. C'était pas ça que je voulais faire. Je vais vous demander, je vais vous présenter. Joanne a demandé son aide. J'ai dit oui, avec plaisir. On va faire des paniers de Noël pour trois familles. Mais c'est pas nécessairement juste des paniers de Noël. On veut ramasser des dons parce qu'on veut aider des familles pour Noël. Là, il y a déjà une famille qui est closée. Il en reste deux autres. On close des familles. Je vais vous demander, spécialement ceux qui en ont qui veulent faire des dons, peu importe 5 $, 10 $, on veut faire un gros panier de Noël. On veut donner... C'est deux familles, je crois, avec des mères monoparentales qui sont là. Puis on veut leur donner ça. Puis ce qu'on va faire aussi, c'est qu'à Noël, on va aller leur remettre en direct. Je vais faire un direct. On va leur remettre leur panier de Noël, les cadeaux. Ils vont avoir des cadeaux pour les enfants. Oh, donc, il reste deux familles à closer. Fait que je vous reviens avec les détails. Puis, on veut faire ça. Puis je vais vous partager ça en direct avec les familles qu'on va aller le porter directement. Ça, on n'en doutait pas. Voilà. tu peux pas faire de la générosité puis donner généreusement sans transformer ça en spectacle. Là, c'est vraiment du gaspillage. C'est ça, c'est du gaspillage. Ben j'aime vraiment le bumper de Libre Giroux Choix Carl ces temps-ci. Il est juste écrit comme « partager 12 fois » puis ça run en boucle en bas. Tu vois que c'est en bonne direction. C'est que c'est loser. Il est magique. Il y a deux personnes de qui... Bon, trois personnes de qui... Je sais qu'il y en a bien plus que ça, là, mais sur mon radar à moi, il y a trois personnes que... Leur compte TikTok, ils devraient changer le nom pour Maillet TV. Tu sais, je pourrais tous les utiliser, leurs vidéos, puis faire Maillet TV avec. C'est juste trop d'ouvrages.
Oui, je suis pas mal certain qu'il y a Maxime Ouimet dans tes autres. Tes autres non, trois. Maxime Ouimet, c'était les trois. C'est, ben, Caroline Lessard, en fait, c'est son compte Twitter. Son compte Twitter devrait s'appeler Maillet, X Maillet, mettons. Puis, ouais. Les deux autres, ça devrait. Bon, hey, je savais pas que Falbala vivait au Québec. Écoute, on a tous un peu fantasmé sur Falbala, n'est-ce pas? Ouais, je pense que c'est à ça qu'elle servait. Oui, c'est ça. C'est une ancienne Farfadet hein, qui est très impliquée dans la cause et le combat. Et depuis un temps, je mets un bloc comme mesure COVID, un bloc vaccin au début du Mercronspi pour voir un peu où s'en est leur réflexion et où ils en sont. Et je te laisse nous lire ça ici, l'intervention de Falbala la Gauloise. J'ai trouvé ça très, très, très mature. Tu sais, quand on dit que c'est important de vivre ses émotions, eh bien, être en tabarnak, c'est une émotion. On respecte tout le monde qui veut être joyeux. On respecte ceux qui ont de la grosse peine. Fait que de votre côté, votre gros défi sera de respecter ceux qui sont en tabarnak. C'est simple de même. Ben, c'est vrai que c'est simple en tabarnak. C'est simple. Mais y a-t-il comme un projet de votre côté de détabarnaquer à un moment donné? Non, non. Parce que quand on dit que c'est important de vivre ses émotions, oui, mais c'est aussi important de respecter tes concitoyens puis le monde avec qui tu vis. Si ta personnalité, c'est d'être en tabarnak, puis ta justification, c'est les émotions que j'ai à vivre, c'est d'être en tabarnak, ben à un moment donné, tu devrais appliquer ce que Zurlu a dit, peut-être essayer d'arriver en 2023, quitter 2021, peut-être arriver en 2022, puis après ça, 2023, bientôt 2024, juste deux affaires rapides à dire là-dessus. Un, quand t'es en tabarnak, Tommy, tu vis. C'est ça qui arrive. Puis l'autre, c'est je me, moi. Moi, me, ben je me. Me, je c'est me, ça. Moi. Un autre pas facile. Ils ont mis back-à-back. Hein? Allons joindre Maxime Ouipette, le Floridien, né en Floride. À tous mes frères et mes sœurs n'ont pas été génétiquement modifiés en macaque. Félicitations pour avoir traversé ce que nous avons vécu dans les trois dernières années. Vous êtes maintenant placé votre conscience dans le champ quantique et plus jamais vous allez pouvoir retourner en arrière. Parce qu'on a passé l'étape de l'évolution de la cinquième dimension. Bonne journée à tous. Ah, Christ, que c'est niaiseux! Chaque mot aide à transformer les autres en une pyramide de bêtises. Là. Ah, c'est fou, hein? C'est débile. Là. J'espère que sa mère n'a pas vu ça. Ben, Tommy, c'est Maxime Ouipert. S'il arrêtait de faire ça, on serait un peu tous déçus, si je pense. Ah, oh, ouais, ben c'est mi-figue, mi-raisin. Il est rendu là. Il est rendu à l'étape de l'icône, Tommy. Tu sais, je veux dire, une icône, ça ne peut pas changer. Il faut que ça. Moi, Daniel Tadros, voilà 2 ans, il faisait une vidéo de 5-6 minutes par jour. Je les ai toutes écoutées, puis à un moment, il a juste comme arrêté. Puis t'étais-tu content? Ben, je suis mi-figue, mi-raisin. Tu t'ennuies, hein? Oui, mais je suis content qu'il arrête de faire des clips niaiseux puis d'amener du monde dans des tatas, là, tu sais. C'est clair. Mais, c'est clair que t'es heureux pour les maillets, mais il te manque un petit quelque chose. C'est ça, on pourrait dire ça. Là, la complosphère a perdu un de ses très, très bons joueurs. Oui, tout à fait. Il fait juste comme pivoter. Là, il paraît qu'il prépare de quoi, Daniel? Là, il est en voyage au El Salvador avec Eric. C'est la première fois qu'Eric s'en allait dans le sud avec son frère. On salue les enfants. Là. Je ne sais pas comment ça allô? Passe. C'est bon. Ça, là. Continuons! On continue. Ben écoute, hein? Y a quelqu'un qui a fait caca dans mes culottes sacrifice? C'est une toune québécoise classique. Quand même une des photos de l'année, on va dire ça comme ça. Je comprends pas l'état d'esprit qui peut amener un mogul québécois des médias et tout avoir l'air de je sais pas, de s'être fait surprendre à faire pipi sur le char du voisin. Puis d'insister pour vite, 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 faut que je mette le T-shirt par-dessus ma chemise.
C'est la quantité de cringe qui sort de cette photo-là. C'est écœurant. Est fantabuleuse. Moi, là, c'est ça, là, puis n'allez pas croire que je... Ben, peut-être un peu, mais, tu sais, moi, une des affaires qui me fait vraiment capoter de PKP, là, c'est l'espèce de conclusion à laquelle il arrive assez majoritairement souvent à la conclusion que ça a de l'allure, ça. Tu sais, je veux dire, il la met sur Twitter, il la regarde, puis il fait comme, ouais, parfait. Tu comprends-tu? Moi, ça, il y a un niveau de déconnexion, là, je sais pas, là. Il aurait pu, mettons, prendre la photo, puis là, la personne qui a pris la photo lui dit, ouais, peut-être tu devrais enlever ta chemise, on va la refaire. Ouais. Là, il a fait, non, on va être correct, là. J'ai l'air d'une biche qui regarde un dirou s'en venir, là, mais ça va être correct, il n'y a pas de problème. Ou là, peut-être, tu sais, là, c'est sûr qu'on est un petit peu quand même dans le jugement, mais c'est une personnalité publique. C'est peut-être un de ces kids, tu sais, qui a dit, hey, père, faudrait que tu prennes une photo avec le T-shirt. Fait que, ouais, mais il n'est pas un peu petit. Ben, c'est pas grave, ça va être drôle. Puis tout. Mais c'est la face qui fait. On sent que ça tente d'être là, vraiment, là. Je comprends pas le move. C'est incroyable. D'habitude, on est plus navré quand on entend parler de toi. Ouais, là, ben c'est. En tout cas, je ne veux pas si le mot c'est navré, mais. Il faut pour conjuguer. Ouais, on va dire ça. Mais, tu sais, de toutes les vedettes qui sont mortes, de toutes les personnalités publiques qui sont mortes depuis qu'on étudie la complosphère, je dirais que c'était Denise Bombardier qui avait mangé le plus de clout avant. Mais c'est rien par rapport à ce que Carl Tremblay a pu recevoir. Ah, ben non. Lui qui a fait le péché véniel de demander, hein, c'est lui qui a demandé des codes QR. C'est lui qui a exigé ça pour faire son spectacle au Centre Bell. Et vraiment. Manon a fait un live de 20 minutes. Ouais. Le petit Albert a passé 1h15 à dire comment lui faisait plus pitié que toutes les autres personnes à cause qu'il était non-vax. Comparant, et je m'excuse, c'est tout à fait dégueulasse ce que je vais dire, mais le petit Albert a dit que les non-vaccinés, c'était pire qu'une fille qui se faisait violer groupe à chaque jour. Ouais, c'était le gars, c'est cinglé. Là. Il y a Richard Justice qui a fait un 30 minutes pour nous rappeler à quel point Carl Tremblay, c'est un vendu de pourri. Je comprends pas. Puis il y a quand même quelqu'un, tu vas voir dans la prochaine image, il y a Ronald Maranger qui nous pose une belle question en marge de toute... Mais avant qu'on y aille, j'ai une question pour toi. A-t-il quand même reparlé de Sodomie Gomorrhe? Sodomie Gomorrhe. Qui ça, Ronald? Non, Justice Macro. Ah non, j'ai pas. OK. On va aller voir Ronald, parce que c'est vrai que il s'agit de questions importantes. La question du jour, si Lucie Loriot ou Guillaume Lemay du Vierge décède, ils vont-ils avoir droit à des funérailles nationales? Je dis ça juste de même. Ouais. Lucie Loriot a s'élevé pour chialer contre les chemtrails. Oui. Puis Guillaume Lemaitre-Vierge, il a perdu tous ses contrats parce qu'il a décidé d'attendre le vaccin parce que whatever raison puis tout. Là. Ben, il attendait le vaccin québécois. C'est un gars qui achète local, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est puis ça. Puis ça a farmé. Medicago, c'est capote. Fait que ce sera ça que ça aura donné. Hey, moment historique, Tommy, hein, la semaine dernière. Oui, on a eu probablement le plus saucé de tous les regroupements, de tous les congrès de partis mainstream du Québec, au moins depuis les créditistes dans les années 70, on va dire. Écoute, ça vaut la peine. Éric Duhaime qui n'a proposé qu'une seule chose durant tout le congrès conservateur, et c'était de rechanger le nom du parti, parce que ça avait été changé il y a 2 ans pour Parti conservateur du Québec, équipe Éric Duhaime. Et là, ben, il veut changer le nom du parti. Tu peux passer c'est à la prochaine. C'est ça sa résolution. Ouais. En fait, moi, j'adore le phrasing. Ça, là, c'est un post du Parti conservateur. Là, okay? C'est pas un meme, c'est pas rien de ça. Là. C'est eux qui écrivent
sais, il manque juste le « ne » devant « propose », là. Mais Éric Duhaime propose qu'une seule chose. Christ, que c'est un mauvais titre. Tu sais, ça donne tellement à penser que le gars, il a pas de discours. Il a pas. Tu sais, c'est une boîte vide. Ah ouais. Changer le nom du Parti conservateur du Québec. Je vais le dire, je l'ai dit plein de fois. Il n'existe dans l'histoire de l'humanité, à part Idiocratie directe et tout. Je te parle de partis politiques là, qui ont une histoire ou en tout cas, tu sais, qui apparaissent dans les résultats du DGEQ, mettons. Il n'existe aucune équipe de communication plus pioui que celle du Parti conservateur du Québec dans l'histoire de la politique québécoise. Puis oui, vous pouvez me garrocher, les libéraux nous emmener au bord du précipice avec nous, faites un pas de l'avant, mais c'est le politicien lui-même qui l'avait dit. C'est pas son équipe qui a donné ça sur un post-it, là. C'est fucking incroyable comment c'est maillé. Incroyable. Écoute, la prochaine image, c'est vraiment the mother of all faces de pet sauce. Là. À toutes les photos qu'il prend, il a l'air de gérer un pet sauce. C'est incroyable. Puis tu sais, c'est tout fait comme, mettons, des rares fois, c'est comme si finalement il a décidé de le laisser sortir puis il n'y avait pas de sauce. Mais là, tu sais, ça va vraiment prendre une mop puis des nouvelles culottes. Là. C'est... un gros pet, bien saucé. Un jour, il va falloir que quelqu'un le fasse. Ça va peut-être être moi, mais s'il y a quelqu'un qui fait ça avant, je vais m'en régaler. Mais il va falloir faire vraiment une murale de face de pet sauce. Là. C'est, de pet sauce. L'image que j'utilise pour la majorité des Mercronspi, là, c'est toujours la même. C'est une photo qui a été utilisée dans un article. Et c'est lui qui répond à la journaliste. Tu sais, ça a l'air d'être une entrevue faite avec un appareil, là, tu sais. Puis la journaliste est de dos, fait qu'on ne la voit pas. Puis c'est exact. Tu sais, c'est vraiment... C'est tout le temps des faces de pet sauce. Faites Éric Duhaime, Google Images, Enter, puis regardez. Tu pourrais faire une capture d'écran des résultats de recherche pet sauce. Il y a, à part quelques rares exceptions, c'est des photos marketing. Mais pris sur le vif, c'est la José Rivard des faces de pet sauce. Tu fais pause, pet sauce. Pet sauce. Oui. C'est écœurant. Ça, je pense que c'est beaucoup grâce à son arcade sourcilière qui est tout le temps comme en poppy. Là. Il y a tout le temps live de pitié. C'est particulier, ça, cette affaire-là. J'ai fait un photomontage, je vais le montrer tantôt. J'ai fait un photomontage. Pour les fans de lutte, là, je peux vous faire la démonstration empirique que Éric Duhaime ressemble comme deux gouttes d'eau à Mark Briscoe. Fait que je vais probablement faire de quoi avec ça. Mais écoute, tiens, moi j'ai rajouté une slide parce que justement, pour ceux qui connaissent Mark Briscoe, vous allez le voir un petit peu parce que suite au congrès, Tommy, Glo-Glo a décidé de faire en sorte que la résistance s'organise face au Parti conservateur du Québec. Cher Éric Duhaime, on ne peut pas représenter avec courage les courageux si on n'est pas soi-même courageux. Tu as fait preuve de lâcheté en abandonnant le peuple pour l'intégrité électorale. Le lendemain des élections, faire les procédures judiciaires, aller jusqu'au bout. Ben oui, mais Glo-Glo, c'est parce qu'ils ont fait une erreur dans le document. Pour le bien du PCQ, tu dois démissionner. Ce n'est pas le PQ qui devrait et doit servir de valeur de recharge, c'est le PCQ. Mais cela n'arrivera jamais avec ta mollesse dont tu as fait et tu fais preuve. Et bien sûr, elle a tagué la planète, la complosphère entière, c'est-à-dire Cheveux de Prince, Sornette Strudel et André. Alors, c'est tout du monde qui sont ces trois personnes-là. Ben, peut-être pas André, là, mais je sais que Stéphane et Alexis, c'est probablement les leaders conspirationnistes les plus vocales contre Duhaime, là, les plus en guerre des croûtes avec Duhaime. D'ailleurs, parlant de Stéphane Blais, dans le prochain petit clip... Ouais. On a un extrait d'un de leurs super live important de la Fédélette à Pouette. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais je veux juste vous expliquer. Vas-y, fort. Le coach. Juste le QA, la plupart du temps. C'est le coach. Là. Le coach en haut à gauche, là, il est en train de convaincre les gens de devenir ambassadeurs. Et il va dire, un coup que tu es ambassadeur de la Fédélette à Pouette, tu ne seras plus jamais tout seul. Tu vas être avec une nouvelle famille, des nouveaux amis. Et tu sais, c'est
tellement une secte. Ah, c'est épouvantable. C'était incroyable. Regarde, moi, je t'invite à regarder je t'invite à regarder la face de Cheveux de Prince, de Blais en haut à droite. L'espèce de satisfaction et la bonhomie en arrière de ça. Tu sais, vraiment comme si tu venais de me décoincer un nerf dans le dos. Tu sais, une espèce de libération. Oui. Regardez bien ça, c'est capoté. Là. La plupart du temps, dans ce genre de bataille-là, c'est ceux qui sont le plus patients, ceux qui ne lâchent jamais qui remportent parce que les autres se fatiguent. Et n'oubliez pas une chose, vous avez tous vécu un peu de solitude pendant le COVID. Ben, et lorsque tu fais partie d'un réseau, tu n'es plus jamais seul. Ça, c'est important. Tu ne seras plus jamais seul. Peu importe le problème, l'obstacle, il y a des gens qui vont t'aider. Donc, soignez la gang, soignez les ambassadeurs, vous ne serez plus jamais, jamais seul. Et si vous êtes patient, si vous êtes tough, vous allez gagner. Ça, là, c'est la face de Stéphane qui va dire de quoi après pour aller, genre, faire une joke ou whatever. Ah, je m'en viens, là. un tremplin ouais, vers la suite. Oui, tout à fait. Donnez-nous de l'argent, puis vous allez avoir des amis. C'est ça qui est en train. C'est un peu ça. Paye 27, là, parce qu'écoute, là, sont à veille, d'après moi, de faire une offre, là. Vous pouvez vous joindre à nous pour la modique somme de 780 versements par année, là, tu sais, à 1,25, là, genre, tu sais, c'est rendu, ça n'a pas d'allure, là. C'est, en tout cas. Mais en même temps, par contre, ce que je dois dire, puis là, ben ça, c'est super personnel. Tu sais, je les suis un peu moins. Tu sais, je vais moins souvent sur la page et tout ça. Tu sais, on me rapporte plus que je vais quérir le statut de ce qui se passe avec la Fédé Latapouette. Mais j'ai vraiment le sentiment, par exemple, que c'est beaucoup moins... c'est moins « out there » que ça a déjà été. Par « out there », je veux dire, moins présent. Tu sais, on va dire ça comme ça. Tu sais, je sens ça moins, un peu moins viral. Un peu, on en parle moins. Les gens en parlent moins. Ah oui. Eux-mêmes postent moins, tu sais, tout ça. Fait que moi, je vais leur dire quelque chose. J'ai dit, je me souviens plus si c'était avec toi ou dans le crachoir, mais tu sais, je vais toujours être contre. Mais tu sais, à partir d'un certain moment, tu sais, s'ils décident d'aller s'installer, tu sais, avec le bébel puis toute l'équipe, puis je veux dire, c'est tous des adultes, hein, en majorité, j'espère qu'ils vont aller là, là. C'est sûr que ça peut inclure des enfants, mais tu comprends ce que je veux dire. Là, il y a une différence entre le monde qui décide de faire leurs affaires puis ceux qui vont écœurer le monde un peu partout. Là, ça, pour moi, c'est très différent. Ouais. Fait que, mais c'est pareil comme Jean-Jacques qui est tous les autres gourous. Là, c'est, en temps de crise, pour eux autres, c'est du recherche et développement. C'est là que tu grandis ton fief, c'est là que tu grandis ton cheptel. Puis quand il n'y a plus de crise, ben là, il faut que tu reprennes un petit peu profil bas parce que si tu te fais trop voir, ben là, il y a du monde un petit peu critique, un petit peu curieux, fait des latapouettos curieux qui vont dire, ben là, on t'a donné plein d'argent puis tu fais rien. Mais ça, il veut pas ça, mais il veut continuer à grandir un petit peu puis il veut continuer à être vu. Fait que c'est le je te dirais, c'est le conundrum de tous les gourous conspirationnistes, c'est sûr et certain. C'est flairer l'occasion, tu sais, je le répète une dernière fois. Toutes les démarches juridiques qui ont été faites par la Fédé Latapouette se sont soldées par un échec. Toutes, dans l'intégralité de... Oui. La chose la plus importante... Mais on avance, ça va bien, puis restez avec nous autres, puis on va l'avoir, vous allez gagner, puis... Ouais. Si vous restez assez longtemps, vous allez gagner, c'est sûr et certain. C'est tout à fait débile. C'est triste, mais au moins c'est drôle. Parlant de ça, c'est triste, puis au moins c'est drôle. Là, j'ai une erreur d'Alexis ici dans un début de live. C'est quand même assez touchant. Ça a été découpé par Caroline Lessard de Les Infos de Caro. Grande journaliste. Vous êtes les ennemis du peuple. Et là, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ont compris exactement ce que ça voulait dire. Hein? Donc, les médias qui sont, on les a vus mentir durant la COVID, sur l'Ukraine, le portable d'Hunter Biden, leur crédibilité est en chute. Mais ils ne sont pas capables de faire un diagnostic correct. Ils ne réalisent pas, on dirait, ce qui se passe. Ou tout simplement, ils ne peuvent pas l'admettre. Hein? Parce que ce qu'ils ont fait, c'est horrible. C'est donc bien beau. Ce qu'ils ont fait, c'est terrible. OK. Encore une fois, j'ai encore une fois pesé sur le mauvais bouton. Bon. Est-ce que vous avez compris au moins ou je dois répéter? Dis-le.
Tu te répètes, fait oui, quatre oui, j'ai ans. Compris. Là. Est-ce que vous avez compris? C'est encore, je l'ai fait, c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Il n'y en aura pas de troisième. OK, j'ai compris. Il y a un problème de son. C'est correct maintenant? C'est correct maintenant? Je suis désolé, ça ne se reproduira plus jamais. Comme à chaque fois qu'il y a un problème, on le règle toujours. Je deviens conscient de quelque chose et après ça, je fais la vérification avant le début du live. Je ne sais pas comment ça se fait. Je sais c'est quoi. C'est parce que mon clavier, je m'excuse. Hein, on casse. J'étais parti sur une lancée, là. Ça allait bien. Ah, c'est parce que mon système de gestion du son produit énormément de lumière. Même la nuit, je le laisse allumer, puis il fait une lumière dans la pièce, et je mets toujours quelque chose par-dessus pour couvrir la lumière. Puis c'est ça que je viens de comprendre, c'est ça qui accroche les boutons. Mais OK. L'éteindre, c'est pas une option. Tu sais. c'est la dernière fois. C'était pas une blague, et je le referai pas non plus. Je vais toujours vérifier les boutons avant de commencer. Bon. Okay. Vérifie les boutons. Check. Et sur cette note-là, j'étais en pyjama jusqu'à 17h10. Bon. Et je m'en suis pas rendu compte. Et là, je me suis rendu compte que j'avais un pyjama. Puis là, j'ai dit « no fucking way ». Puis là, j'ai été me changer. J'ai mis un sweatpants. Ah, wow. Pour pas que ce genre de truc-là se passe. Mais là, c'était le son. OK, on continue. Donc, tout ça de toute tout façon, ça dire, Alexis, ça change rien. La liste des checks s'allonge. Hein. Avec tous les cossins que tu mets là, devant tout ton... Tout ça pour dire... On voit rien. Il faudrait que je recommence. Vous voudriez que je recommence? En tout cas, je vais faire le à un an des élections, je vais montrer de quelle façon les patrons. Moi, ça me sidère là, le nombre de cossins qu'il met devant lui quand il fait un live. C'est hallucinant. Puis tout, c'est la même scène dans OBS. Il faut qu'il gosse avec sa souris tout le temps. Là. Ouais. C'est hallucinant. Hallucinant. C'est un vomi. C'est vraiment littéralement la représentation graphique de son propos. Un vomi diffus et éparpillé de conneries. Ouais. C'est à l'image totale et complète. Je rêve du jour où est-ce qu'il y aura littéralement vraiment juste un trou pour sa face. Là, mais tu te rappelles, il avait laissé fuiter une image de son desktop à un moment donné. Ouais, il y avait quelque chose comme 500 folders tout éparpillés en motons. C'était quand même assez particulier comme desktop, je vais dire. C'est un maître de l'organisation de la pensée, ben oui, Tommy. Ben oui. Ça paraît sur son desktop. C'est... Voilà, son voilà. Desktop est à l'image de son cerveau. Voilà. Ouais, là, ça aussi, ça a fait la ronde pas mal, hein, les explications de l'extrême droite par NBC. Quel esti, il est imparodiable, ce gars-là. Ah non, il est solide. C'est tata tout de corps. Ben, let's go, on va l'écouter et avoir l'air tata. Ben oui. Parce que je suis à la recherche d'une définition minimalement convaincante de l'extrême droite et je ne la trouve pas. Alors moi, ce que je note simplement, c'est quand on accuse quelqu'un d'être d'extrême droite. Qu'entendons-nous par là? Et la définition, donc j'en viens presque de manière un peu moqueuse, à dire l'extrême droite, finalement, c'est la part de la droite qui ne se soumet pas aux exigences morales de la gauche, et dès lors, elle est extrême droitisée. La gauche nomme extrême droite la part de la droite qu'elle veut chasser de la vie publique, et ensuite, si vous cherchez un contenu, parce qu'encore une fois, vous me direz, oui, mais d'accord, le totalitarisme raciste, on peut le nommer comme tel, mais quand on met dans la même catégorie le totalitarisme raciste, donc le nazisme, mais vous ajoutez les régimes autoritaires chrétiens du 20e siècle, mais vous ajoutez Marine Le Pen, et vous ajoutez Éric Zemmour, mais vous ajoutez aussi Fabien Roussel, qui s'est fait doriotiser par Jean-Luc Mélenchon. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que ce concept, on ne peut pas identifier son noyau ni descriptif ni doctrinal. Et d'ailleurs, c'est pas un détail, le terme extrême droite est utilisé pour décrier, et non pas pour décrire. Trouvez-moi une personne qui se revendique de l'extrême droite, et je commencerai à trouver ça intéressant. Ce concept, dans les faits, ne correspond à aucune réalité, on pourrait dire, scientifique, ou dont la description serait pertinente. Le pendant extrême de regarder de la peinture séchée. Ah, tabarnak. Puis on se demande, tu sais, ça, c'est des chroniqueurs mainstream, ça, là, Mathieu Bock-Côté, là, Richard Martineau, ouais. Qui chiale ses trans, puis tout, tu sais. Puis on se demande, ça vient d'où, cette radicalisation-là, tu sais. Ça fait des années que ça bouille comme ça, que ça mijote, tu sais, voyons. Ouais. As-tu vu le... C'est-tu vrai, ça, ou c'est un mème, là? J'ai pas eu le temps de cliquer dessus, honnêtement, là. Mais as-tu vu le truc que Richard Martineau a sorti, que...
Ben Laden était maintenant l'espèce d'idole des woke. C'est des vrai, woke, oui, oui. Ben, c'est vrai que lui, il prétend ça. Mais... OK, fait, c'est pas une tournure de phrase, c'est pas du clip. Non, c'est parce que c'est un petit peu comme les tankies qui deviennent pro-russes, mettons. C'est que lui, il prétend que les woke, on aime tellement pas la guerre puis ces affaires-là, que là, vu que c'est les Israéliens qui la font, ben là, on n'aime plus les Israéliens, fait qu'on devient antisémite, comme Ben Laden qui disait qu'au Moyen-Orient, ceux qui font le plus la guerre, c'est les Israéliens. Fait que, tu sais, c'est... Incroyable. C'est imbécile, là. Ces deux gars-là, ils ont tellement peur des woke, puis tu sais... Ils savent même pas c'est quoi. Dès que quelqu'un dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut pas dire de quoi, ils disent c'est des woke. Mais Chris, je sais pas moi si les fondamentalistes chrétiens sont pas en train de censurer plus de monde que les woke qui veulent juste que tu utilises un pronom particulier ou... Tu sais, c'est niaiseux. Ben non, puis on n'en parlera pas. J'imagine que tu vas toucher à ça, j'espère, dans LMM tantôt, peu importe. Mais tu sais, ce sinistre maillet, là, tu sais, qui... au sujet de la fée des étoiles. Ça a fait, la semaine sur Twitter, puis tout ça. Moi, je continue de le dire. Gars, je vais faire mon petit statement de ce show-là, Tommy. tu m'excuseras, mais il y a quelqu'un qui m'a dit quelques jours, c'est pas un peu de l'acharnement ton affaire au sujet de Duhem? Oui, ça en est. Parce que moi, la raison est fort simple. Tout ce qu'on vient de dire là, les Martineaux, les épais qui sont anti-LGBTQ+, tu sais, toute l'espèce de phobie, la phobie, moi, ça me tente pas de vivre dans une société rétrograde et anti-progressiste. Puis pour moi, à l'heure actuelle, l'icône qui définit le plus tout ça, là, tu sais, si je veux le parapluie de tout ça, c'est Éric Duhaime. Parce que c'est le seul qui prend ces idées-là et qui en fait à toute un fin pratique. Un mouvement politique. Exactement. Moi, je considère, le monde ne doit pas être d'accord avec moi, mais moi, je considère ça d'une importance essentielle que de le faire passer pour un tata quand il l'est. Fin. On n'a pas inventé en 2020 la caricature comme méthode politique pour répondre aux idées qu'on considère inavouables ou tout à fait niaiseuses, là, c'est sûr et certain. Là. Puis Éric Duhem, il rebelote à chaque semaine, à chaque jour. Là, il est en train de dire, si Legault, t'écoutes pas tes employés, nous autres, on en mettrait plein dehors pour mieux payer les autres. C'est exactement ça. Mon chum Marco Plante, allez voir ça sur Twitter, il a relevé une publication qu'il a faite dans laquelle il dit une chose et son contraire en trois paragraphes. C'est ça. C'est débile, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, voilà, c'était mon petit deux minutes. Puis là, on va s'amuser. Il est arrivé quelque chose de gros cette semaine. Une fusée lancée par SpaceX qui a explosé. Et la seule explication ici de l'explosion de la fusée, on va entendre Carlos Cloutier de Alma nous raconter d'où ça vient, parce que Carlos, lui, c'est un fan de Didulo, puis il connaît ça, puis Je l'adore. Ah, il est assez particulier. Il est en train de se hisser une place dans mes favoris. Les lunettes de sniper dans la maison. Très important, hein? Salut tout le monde, un petit live rapide. Ce ne sera pas trop long. C'est que là, ils ont commencé à lancer les fusées SpaceX dans le ciel. Ils ont défoncé ce qu'on appelle le dôme ou le firmament, peu importe. Ils ont bel et bien percé le dôme et le firmament, c'est la même chose. Le premier satellite dans le dôme ou juste au-dessus du dôme. D'accord? Bon matin, Caroline. Bon matin, ce ne sera pas long. Je n'ai pas pour long. Ensuite... C'est ça, ils ont défoncé le dôme, ils ont éjecté ce qu'on appelle un satellite Starlink. Okay? Ils ont commencé, il n'y aura pas rien. Moi, ce que j'ai lu, il y en a, je pense qu'il y en a 500 ou 5000 qui vont être shootés partout sur le dôme. Après ça, ils vont actionner, selon moi, ils vont peut-être aussi actionner ça de façon progressive. Okay? Ils vont prendre peut-être deux ou trois, mettons, fusées Starlink triangulées pour éliminer les champs d'énergie de façon progressive. Ça veut dire que le ciel devrait, à un moment donné, s'ouvrir tranquillement au-dessus de nos têtes.
Ça va dépendre de où on est situé sur sa planète. Mais selon moi, les fissures vont commencer à s'ouvrir. Il lance, je pense, c'est 500 ou 5000, ce que j'ai lu, là. C'est, ça joue là-dedans. Là. Alors, partout sur le dôme. Fait que ça va tout s'ouvrir tranquillement. OK? C'est des bonnes nouvelles. On vit quelque chose incroyable. Okay? Ça, c'est, pas, là, c'est sûr que le ciel va changer. Ça, c'est clair. Même, je m'en vais tantôt, puis c'est déjà commencé. Les nuages sont plus pareils. Tout est changé. De tous côtés. Ouais. Fait qu'on lâche pas. Puis, on regarde ça. Il y a un autre lancement après-midi vers 4 heures. J'ai mis la vidéo sur Carlos. Et voilà, je vais essayer de la retransférer ici, là, que le monde puisse. Il met la vidéo sur regarder Carlos. Ça. Il y a un autre lancement après-midi. On va en avoir plusieurs des lancements comme ça. Ils installent les satellites partout. Après ça, ils vont activer, OK? Les champs. C'est comme des anti. Des neutraliseurs de champs magnétiques, parce qu'on a un champ magnétique sur le dôme. Fait qu'ils vont neutraliser. Ils vont mettre du foil tout le tour de la terre. Ils vont ouvrir le dôme. Tranquillement. Fait que, bonne journée, tout le monde. Tout est dit. Toutes ces vérités sont dites. Qui risque à ces niaiseux? Le close, il est parfait. Bonne journée, tout le monde. Dans sa cuisine au mur jaune, si tu comptes. C'est magique, c'est magique. Hey, vraiment. C'est qu'il se passe de bon avec Trump, là. Ah, tu vas voir, on va en apprendre sur le code qui est utilisé pour pour communiquer avec les patriotes. Oh, OK. Allons voir ça. He's been a little confused pretty much all week. His short-term memory loss is becoming a real problem. Obama wants to talk about it. Mais c'est pas grave, il est bon pareil, écoutez ça. Là, bon. Rappelez-vous que ça a été un pan de mur total de la campagne de Donald Trump de dire que Joe Biden était vieux, gâteux et tout ça. Ben, on vous laisse en juger par vous-même avec cette série de petits clips-là. He's been a little confused pretty much all week. His short-term memory loss is becoming a real problem. Obama he doesn't want to talk about it. But you mean President Biden. So, just another bizarre statement from him. Remember, Republicans eat their young. They really do. They eat their young. Terrible statement, but it's true. I cringe. I mean, I literally cringe. Standing at a podium, slurring his way through a speech. Electrocution. I will take electrocution. He's fumbling over his words. He can't construct a coherent sentence. Christmas, remember the department stores weren't, they refused to use the word Christmas. These foreign leaders, he might mispronounce their names. The Hamas, starved Hamas, and we took Hamas and... On top of being a complete cognitive mess, is frankly a complete ignorant fool. All the time now, we see whales washing up on shore. Because of the wind, those big wind turbines. Does he not care that his words are often picked up, whether he's cursing? Our capital looks like shit. Let's indict the motherfucker. Who knows what he's going to say next? Who knows what he's going to mistake next? Ça dit beaucoup aussi que c'est à peu près toutes les critiques qu'on vient d'entendre. C'est du monde de Fox News. Là, ça dit beaucoup, là, parce qu'en 2007... Ouais, tout à fait. De même en 2020, c'était pas ça. La Fox News, c'était la garde de Donald Trump. Là, c'était vraiment pas ça. C'était comme sa chaîne Twitch. Là. C'est ça, exactement. Là, le monde, il parlait de lui plus en bien qu'en mal, là, très sévère. Ça n'empêche pas Trump, il va sûrement gagner l'investiture. Là. C'est sûr. Hey, je vais en parler dans le crachoir dimanche, là, mais quelle débandade, quelle déboulinage de Ron DeSantis, qui était l'enfant prodigue. Écoute, ça regardait bien ses affaires. Et rappelez-vous que tout ça, la dégringolade a commencé quand il a décidé d'annoncer qu'il se présentait pour l'investiture sur X avec Elon Musk et tout a chié. Oui, c'est vrai. Et ben, y a un dernier clip ici de mon côté. Ouais. Tu vas voir, c'est tout à fait raisonnable. Là. Ça, c'est parce qu'un des plus vocaux, je dirais, défenseurs de la théorie qu'il n'y a pas de changement climatique, parce qu'il connaît ça, parce qu'il y a un secondaire 5 puis il fait de la radio, ouais. Il fait des podcasts, c'est Jeff Filion au Québec. C'est vraiment un des plus gros poisons réfractaires à la science admise. Et ici, il va nous expliquer c'est quoi qui attend comme manière de prouver qu'il y a
des changements climatiques. Et ça m'a vraiment beaucoup fait penser à quand Jacinthe, elle disait que ce n'est pas une vraie pandémie parce qu'il n'y a pas des tas de cadavres qui brûlent à chaque coin de rue. Voilà. Ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Un jour, les changements climatiques vont arriver pour vrai et on verra à l'œil une différence entre l'année où on est et les années passées. Mais pour le moment, malgré ce que toutes les sautées dans la tête vous racontent, c'est pas mal pareil. À chaque année, notre affaire. Ouais, c'est sûr, le réchauffement climatique, ça se check à l'œil, ça. Voyons. Check, ouvre tes stores, là, regarde dehors, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est niaiseux, man. Ce gars-là, c'est de l'ersatz de poison. Là. Moi, je savais que c'était un tata, là, on va dire ça comme ça, avant de commencer le Mercronspi, mais depuis, c'est la personne pour qui j'ai perdu le plus de respect. Là. J'ai tellement hâte qu'il arrête de partager ses opinions en public par n'importe quel moyen. Asti qui me tape ses nerfs. Je pense pas que ça achève, malheureusement. Bon, Ben non. Puis là, tu sais, il a fait un post cette semaine. Il disait, prouvez-moi que ça existe, les changements climatiques, genre une affaire de même. Puis là, il a pris une photo de sa cour, puis là, il y avait de la neige, tu sais, ou mi-novembre. Fait que, tu sais, puis là, il y a quelqu'un qui a dit, ben, tu sais, moi, mon père, il est fermier, puis depuis une couple d'années, il a gagné deux semaines de plantaison au début, puis deux semaines à la fin, ça, il fait un mois de plus. Puis là, Jeff Fillion, il répond, tu sais, le gars, c'est un fermier, là, qui vit de ça, puis que lui, il remarque que ça fait un mois de faire pousser des affaires de plus, ça fait une différence dans sa vie. Puis Jeff Fillion, il dit, ben, moi, à mon golf, on commence tout le temps à la même fin de semaine. Ouais, tu t'attends. Ben, tu sais, c'est Satan, man, triste que c'est! Ben tiens, justement, ça m'a inspiré quelque chose, Tommy, parce que j'ai sorti ça, moi, la semaine passée, puis ça m'a beaucoup interpellé, tu sais, le Catherine Dorion Gate ou whatever, là, peu importe. Mais tu sais, écoute, Catherine Dorion est zéro punk et zéro rebelle. Les vrais punks et les vrais rebelles se sont levés debout pendant la COVID au risque de perdre leur job, leurs amis, leur famille. Vous voyez le genre? Il accuse Catherine Dorion d'être une fausse punk, une fausse toffe, une fausse anti-institution. Mais, tu sais, j'ai pas pu titrer autrement que Jeff Fillion, golfeur millionnaire, spécialiste du mouvement punk, vivant en Floride 6 mois par année. Tu sais, le gars, il est probablement le plus possible aux antipodes du mouvement punk, comme moi, je le connais, de l'histoire de l'humanité. Mais c'est à lui que les pipirates vont s'en remettre pour savoir c'est quoi un ou une punk. Hey, ta gueule, là, sérieusement, là. Ta gueule, là. C'est niaiseux. C'est... Quel fardeau, même, ce gars. Quel restant. Oui. Sacrement que c'est... En tout cas, on va se calmer parce qu'on va dire des affaires qui ne s'effacent pas. Puis là, écoute, Tommy, j'en ai une dernière, moi, pour toi. Tu as sûrement vu passer le tweet viral de Nick Adams, le alpha mâle pro-Trumpiste power et tout ça. Ben moi, j'ai décidé qu'on ferait du recyclage avec ça parce que ce gars-là me fait juste rire. Lui, Nick Adams, ce qu'il disait, c'était « Alpha males don't play Fortnite, alpha males read the Bible » ou quelque chose de même. Ben moi, le seul alpha mâle que je connais au Québec, c'est bien sûr ce cher Yann Rochdick. Et « Alpha males don't play Fortnite. Alpha males make stupid videos and statements about shit they know nothing about. » Je pense que ça définit relativement bien. Et remarquez la petite touche personnelle de la montre Mickey Mouse. Alors, la signature, c'est solide aussi. Le diable est dans les détails. Oui, pour ceux qui cherchent cette police-là, c'est « Children Writing ». Voilà. Alors, Tommy, je vais faire une cheap plug, si tu me permets, parce qu'en fin de semaine, il y a un gros événement qui s'appelle Survivor Series. Alors, si vous voulez vivre ça avec nous, allez faire un tour sur patreon.com/touskitv. Dites-nous que vous voulez adhérer à la Rib Room, parce que c'est là qu'on va regarder ça. C'est écrit Zoom, mais l'affiche a déjà changé. On crée un salon dans lequel... Et je vous rappelle que, un peu pour paraphraser Coach Dan... Vous n'êtes pas obligé de regarder Survivor Series seul. Ben oui. Si vous adhérez à la Rib Room, vous ne serez plus jamais seul pour regarder un des pieds. Donnez de l'argent à Martin, vous ne serez plus jamais seul. Voilà. Pour un ronflant 5$ mensuellement, vous ne serez plus jamais seul pour regarder les pay-per-view du Big Four. Voilà. Toi, Tommy, peut-être t'as préparé, là, hein? Ben oui. Il y a LMM Hebdo Mag, puis après ça, c'est... porte ouverte. On est supposé avoir
un extra ukrainien qui vient de chiller ici au musée ce soir parce que Sacha, une charmante jeune fille de Kharkiv qui est venue passer du temps au Québec le temps que je dirais que les gentils ont eu à sortir les Russes de Kharkiv. Là, la ville a été libérée il y a quelques mois. Et là, ben, elle va pouvoir retourner chez elle. Ça, c'est quand même une assez grosse histoire. Puis là, ben, on va pouvoir fêter ici. Là, jouer à Magic, écouter des films aussi. On a un spécial qui a été programmé par Pascal Grenier sur Richard Moll, un character actor qui est décédé dernièrement. Ma série préférée probablement de tous les temps, Night Court, en passant. Fait que... Bon, ben voilà, voilà. Ben, merci de m'avoir accueilli sur Tout ce qui TV. Puis... on se rejase peut-être à un moment donné. Ouais, là, tout va tellement vite. On sait où tu restes. Je précise, pour ceux que ça intéresserait, dans le cas de Survivor Series, que nous ne diffusons évidemment pas l'événement. Vous devez y avoir accès vous-même. On fait juste diffuser vos faces qui regardent l'événement. D'où l'expression « watch along ». Fait que moi, Tommy, ce que je vais présenter pendant cet intermède, c'est que pas mal tout est meilleur et plus pertinent avec une certaine pièce musicale. Alors, je me suis dit que ça serait probablement préférable, n'est-ce pas, que nous y allions avec ça pour te laisser aller te préparer. Fait que, oubliez pas, hein, ça s'écoute jusqu'à la fin. La Godette Brother. Bye bye. Alors aujourd'hui, c'est notre première journée du 7e Congrès national du Parti conservateur du Québec. Ce qui va arriver aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir des propositions qui vont être déposées, qui découlent des 5 colloques qui ont eu lieu. C'était des colloques sur la réforme démocratique, l'autonomie, l'économie, l'énergie, la santé. Il va y avoir aussi les aspirants à la présidence. On a 3 aspirants. Ça risque d'être des travaux un peu longs, je pense. Un peu longs, mais... c'est pour le bien du parti. Alors voilà. On va se dire les vraies affaires, moi, pis toi, Tony Vulhaire. Boy de tabarnak. Y'a pas personne. Tu sais quoi? Non, moi aussi, il doit être en crise. Il doit être en crise. Être en tabarnak, c'est une émotion, OK? Là, tu dis... C'est ça. Là, y'a pas personne qui va venir me faire à croire ici qu'on est allé, qu'on a marché sur Mars, pis
qu'on a à l'Uni sur Mars, puis que c'est une fille de Saint-Charles-Borromée qui se fait passer pour une fille, puis qui finit par être fille des étoiles, là, à un moment donné, sa grand-mère, ça va faire. Ça va faire, là, ça suffit. Non, non. On n'a pas ça. À l'Uni sur Mars, OK? Ça, ça fait toute partie de l'attaque des mondialistes pour essayer de nous enlever nos droits puis de transformer nos enfants en le contraire de ce qu'ils sont, ça. Ça, c'est sûr et certain, c'est les mondialistes qui veulent plus qu'il y ait personne sur la Terre. Puis là, depuis que c'est eux autres qui sont en contrôle, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, bien, le plan, on est capable, nous autres, là, en forniquant puis en faisant des bobés, on est capable de renverser la vapeur. Puis c'est ça qui est important. Puis l'important, c'est de faire des bobés puis de prouver que les sacrifices de mondialistes, ils connaissent rien. Puis écoute, j'aime ça comment tu commences à soir, là. Je suis pas mal content de ça, papa, là, que tu réalises finalement la puissance du être en tabarnak. Puis je suis vraiment confiant que l'avenir va vraiment réussir à nous promettre des affaires, parce que moi, en fin de semaine, là, je comprends que tu es en tabarnak, là, mais moi, je suis allé faire un tour dans le stationnement à côté du congrès des conservateurs, là, pour aller voir ceux qui parlent des enfants, des affaires qui nous touchent, puis que Éric Duhaime se ramasse pas encore à être le chef de tout, là. Puis finalement, j'ai été bien content que la démocratie est en train de revenir. C'est sûr qu'ils m'ont pas laissé rentrer pour aller voter. Ça coûtait quand même pas mal cher de pouvoir rentrer aussi, mais je le sais que ceux qui sont rentrés, c'est des vrais patriotes, des vrais fiers qui pensent au peuple, pas juste à eux autres, c'est pas des égoïstes. La démocratie est en train de revenir. Après le beau discours de Maxime Bernier, là, qui nous a appris que les enfants, ben, il fallait pas les déranger. Ça, j'aime bien gros ça. J'avais pas vu ça de même avant, mais là, de voir ça ici, là, que être en tabarnak, ça fait partie de la démocratie. Puis moi je pense que c'est important de vivre nos émotions. Puis je pense que c'est important aussi. Et écoute, on l'a pas encore dit, mais fuck you, Legault. Ça, je pense que c'est important. Fuck you Legault, fuck you Trudeau, fuck you Arruda 2. Puis écoute, c'est pas vrai, là, moi, que je suis en 2021 pour tout le temps, parce que bientôt, ça va être 2024, puis j'en ai encore plein mon temps qu'on parle des vaccins tout le temps dans les groupes que moi, je fréquente. Puis c'est ça que je veux faire, sûr. Pour les enfants, papa. Moi, en tes cas, je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec tout. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de tout mélanger. Tu sais, il faut que... Écoute, là, sinon, qui c'est qui va le faire? C'est quoi les soupers les plus le fun? C'est quand on est un paquet de monde qui amène chacun une cossin, tu sais. Après ça, on met ça ensemble, pour ça dans le Magic Bullet. Puis regarde, on se fait une belle soupe avec ça, puis tout le monde est heureux, puis ça n'a pas coûté une crise de scène. Les syndicats, là, puis toutes ces affaires-là, là, vous devriez tout mettre ça dehors. On va y aller travailler. Chris, moi, je fais rien. Je fais rien, anyway, tu sais. Tony, je sais que t'es bien occupé, là, toi, parce que t'es en tabarnak, ça prend du temps. Pas là, toutes les fois, tu te coupes les ongles, tu te fais mal, là. Fait que, écoute, pousse pas trop vite, là. Non. Tout ça pour dire que la force du être en tabarnak, c'est quelque chose que les mondialistes essayent de nous enlever. Puis en tant que patriote, faut qu'on continue sans vraiment rien changer. Faut qu'on soit convaincu qu'on a raison sur toute la ligne depuis le début. Puis ce qui est le plus important, papa, quand t'as raison sur toute la ligne, sur tous les sujets depuis le début, c'est de jamais, t'excuser, jamais avoir tort un peu sur quelque sujet que ce soit depuis le début. Il faut avoir raison depuis le début sur toute la ligne. Puis c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir faire des enfants forts qui vont tout rester puis qui vont faire des bébés puis qu'on va pouvoir renverser le plan des mondialistes. C'est ben ça qui est important. Moi, arrête pas de le dire. Quand t'as jamais tort, ça veut dire que les autres, ils ont jamais raison. Tu sais, c'est pas dur à comprendre. Là. Ça, c'est un concept assez... je pense qu'Éric Duhaime l'a déjà dit. C'est sûr. Écoute, s'il y a un gars qui est capable de dire des affaires de même, c'est bien Éric Duhaime. Dans la sphère publique, là, s'il y a quelqu'un, puis là, il essaie de le censurer, t'as-tu vu? Ils parlaient même pas du congrès. Ils ont parlé de ça nulle part, sauf toutes les chaînes, là, un peu. Ils ont été invités partout, sauf à pas mal toutes les chaînes, pour aller parler de comment ça s'est passé. Puis ça, c'est malgré qu'il n'y ait aucun député d'élu, parce qu'on se l'est fait voler par Legault qui veut pas nous laisser un bureau dans l'Assemblée nationale. Ça, c'est-tu triste, tabarnak? Moi, j'aurais été volontaire pour aller l'aider à repeindre, là. J'aurais même peindre, je pense qu'il me reste de la peinture là, dans la crête là-bas. Là. J'aurais même été capable d'y payer sa peinture puis d'aller y faire, moi, pour avoir un beau bureau pour notre beau Éric Duhaime pour qu'il puisse continuer à nous battre pour la démocratie. Ben, moi, on vit des moments. J'osais pas d'en parler, là.
Peut-être attention. Que je vais me mettre dans la marde avec ça, mais tu sais, nous autres, on est avec une couple de gars, là, tout était occupé. Là. Avec une couple de gars, nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé au camping La Madeleine, pour y a volé une Prowler 15 pieds. On voulait aller y installer ça devant l'Assemblée nationale, y installer une chimique là-dessus, toute la kit. Aller faire un tour de temps en temps. Il pourrait y avoir du monde, tout, qui font des grèves de la faim, qui pourrait aller chercher à manger là. Regarde, tu vois qu'on est bomilisé, là. On est bomilisé, puis on s'en va dans sa bonne trail. Fait que là, ben, si jamais le propriétaire de la Prowler il est au courant de ça, ben, vous n'avez pas raison d'être choqué parce que c'est pour Éric Duhaime. Fait que, regarde, là. Papel! Ça va faire le peuple qui est assis chez eux à regarder des affaires. Il a fait des lives, puis tout ce temps maintenant de se lever, d'aller en avant de l'affaire nationale, puis de chialer pour qu'on repogne nos droits puis nos partis, parce qu'on n'a plus. On n'a plus de droits puis de partis. Puis ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on règle avant 2022. Donc là-dessus, moi, il faut que je faire autre chose. Là, c'est important parce que je commence à. Là, je veux juste dire que, tu sais, le décembre s'en vient. Là, c'est aujourd'hui, c'est le Black Friday. Mais oui. Je voulais juste dire que moi, je pars de quoi, là? Fait que je veux juste vous dire joyeux No Woke. Voilà. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Je pense que tu tiens quelque chose. On peut-tu faire comme si c'était moi qui l'avais inventé? C'est sûr qu'il va arriver pareil. Parfait. Bon, mais écoute, joyeux No Woke, tout le monde. Fuck you Legault, fuck you Trudeau. Écoutez, c'est pendant cette période de No Woke de réjouissance qu'il faut qu'on se rappelle tout le monde, hein, au moins une fois par année, de se rappeler de manger donc tout de la marde, puis oubliez pas que c'est à cause de vous autres qu'on est dans cette marde-là, puis fuck you tout le monde, c'est ça. Mais allez faire autre chose, là, j'ai l'impression que mon grave d'honneur est en train de brûler, là. Fait que fuck you tout le monde! Tout ce qui est TV sur Twitch.